Bonjour à tous du monde, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 1er mai 2021 et aujourd'hui je vous propose un petit guide pour passer Pan LR en ZLR. Vous allez voir que c'est un peu compliqué, déjà il y a pas mal de restrictions, mais on a aussi une restriction par rapport au nombre d'essais par semaine. C'est pourquoi ? Pourquoi avoir mis tant de restrictions par rapport à cette pan? Du coup, on va en parler comme d'habitude. Avant de commencer, la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Alors, petit rappel, voici la pan ZLR, elle est évidemment très très intéressante. Déjà de base, LR, elle est déjà très bien. En ZLR, elle gagne un peu plus d'attaque sur l'aspect ultime, elle gagne également du ki. Par rapport à la chance, et puis elle a la réduction des dégâts qui sera automatique. Il y a plus de réduction, enfin elle a plus la condition par rapport à la chance, donc là c'est maintenant c'est intégré 55% de réduction des dégâts, et puis c'est tout. Bon, elle a pas gagné de défense, mais voilà, elle a gagné de réduction des dégâts. Alors pour passer cette petite abeille en ZLR, vous allez voir que c'est un petit peu galère. Alors déjà, en termes de restriction d'unité, vous êtes obligé de monter tous ces persos en ZTUR. Et en plus, il faut les mettre à 100% au niveau de l'arbre. Autre restriction, on peut le réaliser qu'une seule fois par semaine. Et en plus, je veux dire, on récupère au maximum 10 médailles. Sachant que il en faut 45, c'est ça, je crois que c'est ça, 45, 20, 15, ouais c'est ça, 45. Donc dans le meilleur des cas, si tu arrives à récupérer 10 par run, il te faudra 5 semaines. Voilà. Alors, je vais aussi vous montrer d'autres choses, parce que ce n'est pas fini. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas accès à l'event. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai tous les persos 100%. Qu'est-ce donc cette fourberie, tu vois? En fait, il y a une autre restriction. En fait, pour débloquer l'event de Pan, ZLR, il vous faut en plus d'avoir réalisé un event de Pan LR. Donc en fait, j'ai dû faire cet event que j'avais déjà fait. Pan LR, elle est 100% depuis longtemps, donc je touche plus à ces niveaux. Mais j'ai dû faire aujourd'hui cet event. Et en faisant cet event, en terminant le niveau 2, ça m'a débloqué le niveau de... Voilà, ça m'a débloqué le ZLR de Pan. Donc, ça m'a coûté déjà 100 ACT. Ça coûte un bras. Vous n'êtes pas obligé de finir les deux niveaux. Je crois qu'il faut juste terminer un des deux niveaux. Ensuite... Attendez, c'est pas fini. Regardez le coup d'ACT. 130 Les nouveaux joueurs qui commencent, je sais pas combien d'ACT on a de base, mais je pense pas que quelqu'un qui a level 50 a plus de 130 d'ACT. Je sais pas, mais dites-moi à partir de combien de niveaux on a 130 d'ACT. Mais l'event demande quand même 130 ACT. C'est une dinguerie. Après, c'est vrai qu'on peut claquer des DS pour augmenter sa barre d'ACT. C'est vrai, j'ai oublié ce petit détail. Mais ça fait quand même cher. Hein. Alors que j'ai jamais fait encore l'event. Du coup, ça sera la découverte. Alors voici la team, enfin la composition que je vous propose. Mettre ce Goku en lead. Pourquoi? Il donne ki plus 4 et attaque def plus 44%. Pour la famille Goku ou pour la classe super. Pourquoi j'ai pas mis le bonbon? Parce que le bonbon donne que attaque def plus 20% par sphère de ki obtenu. Le Gotenks, il donne que des stats pour la fusion ou pour l'intelligence. Donc vu que c'est le seul fusion, c'est réglé. Papi Mujo et Gohan et Pan, il donne pour la puissance et pour la famille de Goku, si je dis pas de bêtises. C'est dans Kamehameha, pardon. Kamehameha, à part Goku, le reste ne rentre pas dans Kamehameha. Vegeta, c'est pareil comme Goku, il donne 44% pour sa famille ou pour l'extrême.
vu que c'est le seul extrême ici, bon bah voilà, c'est pas hyper intéressant. Et le Great Saiyaman Trunks, lui, il donne, pareil, que pour l'agilité à hauteur de 50%. Ou sinon, pour la catégorie enfant, 77%. Et comme tu peux le voir, des enfants, bah, y en a pas, c'est, enfin, ils sont pas majoritaires. Bah du coup, le meilleur lead, bah, c'est Goku, hein. Il donne 44% et +4 pour la classe super. Il n'y a que Vegeta qui sera un peu mis de côté. Il aura 0 de stats. Parce que de l'autre côté, c'est pareil. On nous impose ce Goku en lead. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure composition possible. Enfin, composition possible. Oh, 2 cartes arc-en-ciel. Ok, cool. On commence par 10 médailles. Bon, après, Vegeta, comme il a la vengeance du type, ça devrait bien se passer. Imagine, je me prends un KO ici. Ah oui, en fait... Goku, on va laisser, voilà, on va faire ça. On a 145 000. Imagine, je mange une spé. Et me one shot, imagine. Parce qu'on a droit qu'un seul essai. Je me demande ce qui se passe si on se prend en KO. Bon, j'ai pas envie de tester non plus. Hein. C'est 130 ACT quand même. Elle est immunisée contre le stun, évidemment, sinon c'est pas drôle. Parce que bon, on aura plus le stun. Pareil pour le Halloween. Esquive. Ah, c'est pas possible. Bon, ça va. 55 000, je dis ça va. Je suis midlife là. Bon, heureusement que le Goku il a crit. Bon, Vegeta il a poil. On va prendre Papy. Papy devrait le finir. Vegeta. Voilà quoi. Bah, Vegeta il est un peu sacrifié. Hein. Malheureusement. Bon, ça va. Enfin, je sais pas midlife, mais il manque un tiers de PV. Hop, ça dégage. Bon, c'est réglé. Bon, ça va. Le boss n'est pas difficile. Imagine, le boss aurait été... il m'aurait fait une spé à 400 000. Oh, j'aurais vu fou, les amis. Ok, j'ai gagné pas mal de niveaux, là, d'un coup. Ok, 10 médailles. 10 médailles. Premier run. Donc au max, enfin ça me demandera au plus 5 semaines pour passer Pan en ZL1. Ah, ils sont relous. Bah, jusqu'au bout, elle nous aura fait chier cette abeille. Hein. Jusqu'au bout, ah oui, on gagne une DS la première fois. Et c'est tout. Voilà, une DS et parfois des épées comme ici. 130 ACT quand même. Et donc maintenant, voilà, il faut attendre une semaine pour pouvoir refaire l'event de Pan. Oh, ils sont relous, hein. Ils sont relous, voilà. Donc, pensez à faire donc cet event une fois par semaine. Donc, si vous pouvez pas accéder, enfin, c'est comme pour moi, je pouvais pas accéder à l'event. Pensez à faire, voilà, c'est un des niveaux. De Pan LR, c'est relou. Depuis qu'ils ont mis la dernière mise à jour, ça charge hyper, c'est hyper long. Voilà, j'ai dû faire ça juste avant pour débloquer. Donc voilà, juste aujourd'hui, j'ai claqué, en l'espace de 5-10 minutes, j'ai dépensé 230 ACT. Voilà, sur ce, les amis, bonne journée. Le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. À très très bientôt. Ciao ciao!